8h18, je vous demande d'accueillir notre invité ce matin, Alizé, qui est avec nous jusqu'à 9h pour nous parler de sa nouvelle coupe de cheveux, de son nouvel album, de ce nouveau single, Prends ton casque. Oui. Bonjour Alizé, comment ça va? Salut, bien? Salut, ça va super. Bienvenue sur AFM, c'est une Merci. Maison que tu connais bien. Ah, c'est la maison en fait. Ouais, ouais, c'est tranquille la maison. À la maison. Ouais, c'est ça. On a prévu tout ce qu'il faut, petit pain, croissant, jus d'orange, café, chocolat, tout ça. Ça tombe bien d'ailleurs, Alizé, tu vas rester avec nous parce qu'on va parler, tout de suite justement de ton nouveau single. C'est parti. Allez. Oui, juste après une petite pause. Bien évidemment, reste avec nous sur AFM. Tout va bien, le temps que tu prennes un café, on parlera de tout ça. Ok. Okay. Ça te va plutôt pas mal le blond. Ah ouais. Finalement. J'ai des cadeaux pour vous en plus. C'est vrai. Ouais. Un shampoing décolorant pour moi. Non, j'ai regardé. J'ai des perruques pour tout le monde. Oh, merde. Ce plan. Bah, aujourd'hui, le monde est au blonde, donc j'en ai plein. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que je porte une perruque blonde. Bah, oui, tu sais que je n'ai pas besoin d'une perruque pour être ridicule. Bah, déjà, en plus, ça va te faire des cheveux. Déjà, ça va me faire des cheveux. Plein-toi, déjà. Ça, c'est pas mal. Hein. Plus de cheveux. C'était calvitie, merci. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais que j'ai un peu le look de George Clooney, surtout au niveau des cheveux. Bien sûr. Hein, enfin, surtout la couleur. De Boy George, non? Et là, je vais me transformer en vieille femme. Même si tu es blonde, moi, j'aime bien ce blond platine et tout blond frangé. Ah, dis donc, tout de suite, on est bien, Tintin. Dis donc. Non, mais Bruno, c'est pas possible, on dirait Dave. Ah, mais voilà, je suis le fils caché de Dave. Enfin, c'est bizarre parce que je vois pas comment il aurait pu avoir un fils en même temps, mais bon. Je trouve que ça te va bien, Autain. Ça me va bien, Autain. Autain, ouais. C'est vrai, on est pas mal. C'est beau, dis donc, on dirait un roi. C'est vrai? Ouais. Est-ce que je fais plutôt roi soleil ou vieille femme? Non, en fait, c'est pas mi Dave, mi Claude François. Ou Claude François sur le retour. Mais ça me va bien. Hein, ça va bien. Je peux vous prendre pour mon clip, non? Je peux vous prendre pour mon clip, ça vous dit ou pas? Écoute, si tu veux, je pense qu'une nouvelle carrière qui s'ouvre à nous, je pense. Tu peux frôler les 10 vues à minima. Justine, en fait, ton ancienne coupe de cheveux était mieux, vraiment, je te jure. Ah, mais non, mais j'aime bien, moi, tout ce qui est frange, blond platine et tout. Attends, je rêve de cette coupe. Je m'en suis foutu dans l'œil. Bon, allez, restez avec nous. On a la blonde attitude ce matin. Ah, bah ça. C'est 8 heures et. Est-ce qu'on doit avoir vraiment la blonde attitude jusqu'au bout? Évidemment. Évidemment. Je regrette que les auditeurs ne voient pas le regard outré d'Alizé qui te regarde toi, Bruno. C'est improbable, mais. Génial. Je me suis pas vu en fait. Je viens de mettre la perruque pour tout vous dire, mais je ne me suis pas vu. C'est dramatique. Ouais. Et surtout que tu bouges un peu. On dirait un joueur de foot. T'as des petites rebiquettes en plus. Non. Tu bouges comme Sylvie Vartan. C'est vrai. L'amour, c'est comme une cigarette. Bon, allez, reste avec nous. Les boules, là. Oh là là, c'est pareil. Oh là là, c'est terrible. Allez, 8h21. Je pense qu'on va garder la perruque jusqu'à la fin de l'émission. Ah bah, à vie. Allez, à minima. Allez, Phil Collins, c'est pour tout de suite sur AFM. Merci, Alizé. Hein. Merci. C'est le derrière. Alizé, notre invité ce matin jusqu'à 9h en direct sur RFM. Dans le meilleur des réveils, en version blonde attitude ce matin. Ça, c'était extrait de 5, album qui était sorti l'année dernière avec À cause de l'automne, que tu nous avais d'ailleurs interprété. C'était pour une émission spéciale Noël, semble-t-il, dans le grand studio RFM. Voilà. Alors, j'ai envie de te dire pourquoi cette blonde attitude. En fait, j'avais envie de changement. D'accord. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'être blonde, mais voilà, c'est quand même dur de franchir le pas. Est-ce qu'il faut préparer les neurones aussi à ce changement de couleur? En fait, on a peur quand la décoloration commence, on se dit, est-ce que ça va me griller des neurones ou pas? Est-ce que ça va cramer des neurones? Voilà. Et je sais pas. On va voir au fur et à mesure. Hein. Là, pour l'instant, j'arrive à parler. Et alors, moi, j'ai une question de blonde, forcément à blonde. Est-ce que tu sens un changement sur le regard des autres par rapport à toi dans la rue? Mais oui. Parce que les gens reconnaissent, mais parce que d'abord, ils regardent la blonde. Et ouais. Mais c'est fou, on me l'avait dit. Blondes sont plus matées que les brunes. Mais il paraît, ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment. Moi, je suis un peu... Et je m'en suis rendu compte depuis que je suis blonde. D'accord, et après, donc les gens se retournent sur la blonde et ensuite ils disent après qu'ils me reconnaissent. D'accord. Mais les mecs matent beaucoup les blondes.
Ah tiens, moi ça je... Ouais, bah, moi, je suis plutôt brune, moi, perso. Écoute, t'as qu'à sortir dans la rue, puis bah, tu écoute, je vais voir, je vais peut-être essayer de mettre un mec comme ça, je vais voir, on va faire... Oh, dis donc, la blonde, t'as vu? Dis donc, c'est quoi cette blonde bizarre, quand même? Ah, c'est Robles, ok, d'accord, super. Bon, on va parler justement de ce nouveau single qui s'appelle Blonde, mais avant cela, on va vous dire comment partir du côté de Chypre. Effectivement, cette semaine, gagner un séjour d'une semaine pour deux personnes à Chypre avec Eliade. Relaxez-vous en club Eliade 4 étoiles, en formule tout compris, avec animation francophone. Sympa. Découvrez les chambres de la culture et de la gastronomie chypriote pour un dépaysement total. Oui, bah tu peux continuer, j'ai pas envie. T'as pas envie ? Et non. Pour tenter de gagner ce séjour, vous avez 15 minutes pour envoyer un SMS, vous tapez RFM un espace, votre nom, votre numéro de téléphone et vous envoyez le tout au 71500. Et alors ce soir sur RFM. Notre invitée ce matin, Alizé, dans le meilleur des réveils, sur RFM jusqu'à 9h. Elle vient nous présenter son nouveau single qui s'appelle Blonde, qu'on écoutera d'ailleurs dans un instant. Et si vous avez l'occasion d'aller sur les différents comptes Twitter des uns et des autres, savoir Justine, le mien ou celui d'RFM, eh bien vous allez voir, ou d'Alizé, vous allez voir que nous avons la blonde attitude, puisqu'on a Alizé nous a amené quelques perruques ce matin, histoire d'être solidaire avec elle. C'est ça. Pour son changement capillaire. Exactement. Voilà, mais ça te va bien. Merci. Ça t'a pas fait un choc la première fois que tu t'es vue dans le miroir après, un non peu. Tu t'es dit, waouh, wow, toutes ces années en brune. C'est ça, un peu, mais en même temps, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Ça s'est fait en une fois, en deux fois. En deux fois, c'est ça, parce que passer comme ça du bon, c'est une question de blonde encore. Déjà, la décoloration, il faut 6 heures, donc après, il y a la couleur, et voilà. Ça prend beaucoup de temps. Et bah oui, c'est un choc de passer du brun au blond. Ah bah moi je vois. Il faut devenir albinos avant de passer au blond en fait. Ouais, c'est ça. Moi je vois de passer du gris au blond, ça me fait un choc. Hein. Déjà d'une part parce que ça me rajoute des cheveux. C'est parce que c'était rapide. Et surtout ça me donne une couleur plus fraîche. Bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Je vous propose d'écouter un petit peu le parcours d'Alizé. On va réécouter un petit peu tout ce que t'as fait depuis toutes ces années. Aboutir à ce nouvel album qui est en préparation. Je suis en plein dedans là, je suis en studio. Ouais. Il sortira dès qu'il est prêt. T'as raison, comme ça, pas de pression. On me dit qu'il y a de célèbres noms. Ah bon? Des débutants, genre Pascal Obispo, je ne sais pas qui c'est. Un jeune chanteur qui démarre. Il faudrait que tu le présentes. Et Zazie aussi. Florence. Que des gens prometteurs en fait, hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils auront une grande carrière après. Ouais, moi j'ai un pif. Je suis sûr qu'ils auront une grande carrière. Des gens talentueux. Ouais, moi aussi, j'ai bien senti. C'est pour ça que j'ai demandé à travailler avec eux. C'est sympa. Il y a combien de chansons il y aura sur cet album? On sait déjà où est-ce que vous avez. Pas. Pour l'instant, j'en ai trop. On en fait toujours plus. Et après, c'est dur de d'en choisir très peu pour l'album. Mais c'est bien. Ça prouve que ça me plaît et que j'ai du mal à choisir. C'est bien. Je suis très contente de ce nouvel album. C'est un album, j'avais envie de faire de la pop, de revenir un peu à ce que je faisais avant, quand j'ai commencé, et quelque chose de fun, c'est de m'amuser vraiment. Je me suis beaucoup amusée dans l'émission Danse avec les stars et j'avais envie de continuer. En tout cas, le single Blonde est résolument dans cette tendance pop, ça sera la couleur de l'album. Exactement, ma blonde. Ça sera la couleur de la pop couleur blonde. Et blonde. C'est pop blonde attitude. Et ouais, exactement. C'est tellement 2014, très sexy. Très sexy, exactement. Peut-être une question à poser à Alizé, ma juge. Est-ce que t'as une idée déjà pour le titre de l'album? Je sais pas, mais je crois que blonde ça correspond blonde, bien. Blonde, c'est pas mal. Hein. Ça me paraît bien aussi. On dit toujours, est-ce que la couleur de votre album c'est blonde? Définitivement. Disais quoi. Quand est-ce que tu as décidé à un moment donné de dire je vais faire blonde attitude, je vais changer de look, de tout? Alors c'est un matin, tu t'es réveillé, tu dis je vais vraiment faire blonde. J'ai ma vie a changé grâce à l'émission Danse avec les stars, et personnellement et professionnellement évidemment, donc j'avais envie que ça se ressente dans cet album. Un jour Pascal Obispo m'a appelé en me disant ça te dit d'être blonde?
Alors qu'on avait commencé à travailler ensemble sur de la musique. J'ai dit, c'est quoi le rapport avec la musique? J'ai un titre qui s'appelle Blonde. Alors du coup, je dis, si le titre me plaît, j'ai écouté. J'ai dit, ok, c'est génial, je prends tout de suite. Bon, évidemment, ça coulait de source qu'il fallait que je sois blonde. Ça m'allait bien parce que justement, ce changement de vie correspondait bien. Ça a été la condition sine qua non pour que tu acceptes la chanson Blonde, c'était que tu te mettes en blonde. Donc. Sinon c'était pas ce que tu lui as dit. C'est ce qu'il t'a dit, Obispo, il t'a dit, bon, ok, tu prends la chanson, mais tu te mets blonde. Si t'arrives rousse, c'est sûr que les gens ne comprendront pas. Non, mais c'est bien, je trouve que c'est un super bon démarrage. C'est drôle, c'est pour ça. D'album, de single, d'arriver justement avec une nouvelle coupe, une nouvelle couleur. Ça fait 14 ans qu'on me connaît et que brune à coupe au carré et je pense que les gens avaient peut-être envie de me voir évoluer et moi-même j'avais envie de changer un petit peu parce que c'est pas que j'aime pas les brunes, j'adore être brune, mais ça fait du bien, un changement de vie, changement de tête. Est-ce que dans le visuel justement, dans les visuels de l'album, en dehors de cette couleur donc blonde et de ce qu'on va voir dans les clips et les images, il y aura un petit peu de danse avec les stars de tout ce dont tu t'es imprégné pendant l'émission? Totalement, vraiment, parce que déjà rien que la danse, je suis vraiment tombée amoureuse de la danse et j'ai envie de m'en servir dans tout ce que je vais faire, les clips, la tournée, tout ça. Et grâce à cette émission, j'ai déjà pris un peu plus confiance en moi. Il y a des choses que maintenant je serais capable de faire, alors qu'avant, si on me les avait proposées, j'aurais dit non, merci, je serais restée dans mon coin. Rien que le fait d'être blonde, avant, j'aurais jamais osé. Et une certaine timidité, donc qui est en train de s'effacer doucement. Plus d'assurance, on va dire, et plus de confiance. D'accord, plus de maturité. Plus de maturité. Bien sûr. Est-ce que le sixième album, c'est l'album de la maturité, Alizé? Bon, allez, tu restes avec nous en tout cas. Yes. Allez, 8h40 minutes, reste avec nous, Alizé, avec ce titre Blonde qu'on va écouter dans un instant sur AFM. Reste avec nous. Du film à la scène, le spectacle musical événement arrive enfin en France avec RFM et TF1 Dirty Dancing. Dirty Dancing, à partir du 15 janvier 2015 au Palais des Sports de Paris. Ouverture de la billetterie le 21 mars. Offrez-vous une évasion Iliade à Chypre, une île gorgée de soleil aux plages magnifiques. Notre invité ce matin, Alizé, pour la sortie de ce single qui s'appelle Blonde. Et apparemment, le scoop, c'est que je pense que l'album va s'appeler Blonde. Je pense que ça peut, on m'a dit que ça s'appellerait Blonde, mais je suis pas bien sûr de ce que je vous avance, les amis. En tout cas, même si le single sort aujourd'hui, Alizé a décidé de venir chez nous. Exactement, sur AFM. Pour nous en parler, merci en tout cas. Et chez nous, Alizé, le matin. Ce qui n'est pas donné à tous les artistes. Allez, on va écouter ce single justement qui s'appelle Blonde. Alizé, notre invité ce matin sur AFM. La couleur, même si ça vous défrise, on a tout à cœur et même de la matière grise. C'est pas possible cette perruque. 8h47 à l'instant. Alizé, son nouveau single avec Blonde. Je ne sais plus comment mettre la perruque que tu nous as amenée et surtout poser le casque par-dessus. Eh ben, si, ça le fait. T'es très belle comme ça. T'as vu, j'ai mis tous les cheveux derrière. Ça tient les mèches. Voilà. Ça tient les mèches. Je tiens juste à préciser à nos auditeurs. Ça fait un peu serre-tête du 16e arrondissement. Le monde est vraiment aux blondes ce matin, en tout cas sur RFM, dans le meilleur des réveils, car tout le monde et tout à chacun porte sa perruque blonde. Cette blonde attitude. Tout à fait, cette blonde attitude qui généralise parfois par des absences mentales que nous avons tous les matins. Oh, je peux pas. Que nous avons tous les matins. Non, mais c'est vrai. Si, bien quand sûr, même un évidemment. Petit peu. RFM.fr. Bien évidemment, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez aller aussi sur le blog Le Meilleur des Réveils, RFM.fr. Vous pouvez aller voir sur Twitter. Voilà, on a des belles perruques blondes. On peut reparler bien évidemment de ce qui a fait le changement et de couleur et de couleur d'album et de couleur de cheveux. C'est ton triomphe dans Danse avec les Stars. Tu nous en parlais tout à l'heure.
Alors, tu sais que c'est présenté, enfin, tu le sais évidemment, par notre camarade Vincent qui n'est pas là. Bah J'aurais aimé qu'on ait Vincent d'ailleurs au téléphone. Bah oui, ça aurait été drôle de lui mettre une perruque aussi. Mais oui, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait lui demander de faire justement un petit pari pour la prochaine saison de Danse avec les Stars et de porter une petite perruque rien que pour nous? Ah, mais ouais. En moi, référence, je lui lance justement un petit défi à petit Vincent là. Ouais. Le fait que quand même tu as remporté la perruque. Porter une perruque. Pour la première de Danse avec les Stars, voilà, nouvel épisode. J'aimerais bien qu'il porte une petite perruque blonde. Il décolore carrément les cheveux. Bah oui, il évidemment. Non, mais ce serait pas mal, ça lui irait bien. Il a le teint de blonde. Oui, il a une belle coupe. Bah voilà, il dit ben voilà, par rapport à la gagnante, en hommage à la gagnante de l'année dernière, tout voilà, ça, décolore, ouais. Attitude. Non, mais déjà, ça va mettre un peu de temps, mais déjà, ce qu'on peut lui faire faire, c'est lui mettre une perruque. La prochaine interview qu'il a sur la FM, hop, le défi est lancé. Le défi est lancé, Vincent. Photo Twitter. Prochaine interview VIP sur la FM en blonde. J'attendrai ça avec impatience sur Twitter. Voilà, les absents toujours tort. Il avait qu'à être là, ça lui apprendra. Voilà. Alors, tu viens de terminer d'ailleurs la tournée Danse avec les Stars. Oui, c'est bien passé. Cool, c'était trop bien. Ouais. C'était un peu triste que ça s'arrête parce qu'on s'habitue, c'est une famille vraiment. Ouais. On s'est créé vraiment une belle famille et c'était vraiment cool. On était à la rencontre des gens, remercier les gens qui ont voté pour nous parce que voilà, toute la France nous a suivis, a voté chaque semaine pour qu'on continue ou non l'aventure. Et voilà, bon, grâce à eux, j'ai gagné aussi. Bah oui, c'est cool. C'était la colo de vacances que vous êtes. C'était la vraie colo. Bah, Vincent, c'était un peu le meneur. Il était content quand le carré était là. D'ailleurs, c'est la petite phrase qu'il disait tout le temps. Le carré est là. Voilà, c'était sa phrase et ça fera rien. Mais c'était vraiment cool. C'était la continuité de l'émission, sauf qu'on n'avait pas la pression de l'émission parce que c'était pas le même enjeu. On était là pour s'amuser, pour danser, pour s'éclater et rencontrer les gens. Et ça a cartonné. Vous avez fait salle comble. Il y a même des salles qui ont été rajoutées. Des dates. On a fait aussi Bercy à Paris. On a fait des grandes salles et puis surtout. Là, ils ont déjà annoncé la prochaine tournée Danse avec les Stars 2 et ça commence déjà à bien se remplir. Alors c'est quoi le meilleur souvenir de colo, en gros, un événement un peu rigolo qui a pu se passer? La dernière de la tournée, on a fait n'importe quoi. Moi, mon danseur est arrivé en short à paillettes, qu'il avait emprunté à une danseuse fille, je précise. On a fait Black Swan, Gérard Rivet s'est arrivé en chasseur pour me tuer parce que j'étais le cygne. Quand j'ai fait mon Bollywood, au lieu que ce soit Grégoire, c'est Christophe Licata qui est arrivé derrière. On a fait que des conneries de dernière, de tournée, quand on est chanteur, on fait des bêtises, la dernière. Et dans le car, vous avez une petite chanson récurrente. Il y avait des chansons. Il y a un hymne ou pas de la tournée? Il n'y a pas un hymne, mais ça crie beaucoup. D'accord. Si on a envie de dormir, il faut pas venir dans le quart de Danse avec les Stars. D'accord, ça chante quoi? Ça chante. Non, ça crie. Ça fait du cas. Ça parle fort, ça raconte des blagues, voilà. Ah oui, c'est comme les deux vieilles au cinéma, quoi, qui parlent pendant le film ou qui mangent des pop-corn. Exactement. C'est plus fort. Mais moi, j'ai vu pas mal de photos défiler sur Twitter. Oui, puis il y a toujours un micro qui traîne dans un. Bah, évidemment, on connaît bien. Voilà, et Vincent aime bien prendre le micro et crier. À l'avant du car, prendre le micro et faire la visite. La visite. À votre gauche, à droite. Oui, je vois bien. Allez, restez avec nous sur RFM Alizé encore pendant quelques minutes dans le meilleur des réveils. Il est 8h52 minutes. Sur RFM, le meilleur de la musique, c'est ça. Whitney Houston. Mars avec Moonshine sur RFM, avec notre invité encore pendant quelques secondes, Alizé, dans le meilleur des réveils sur RFM. Avec la sortie de ce single. Vachement bien. Ouais, qui est vachement bien. Thé, machin. Très pop. Danser dessus, pop, électro. Et on aime bien. Voilà, Alizé qui va donc nous préparer cet album et qui viendra d'ailleurs. J'espère que tu reviendras nous en parler d'ailleurs. Bien évidemment. Plaisir. Avec plaisir. Petite question, auditeur outrice, avec notre Julie. Bonjour ma Juju. Alors, le temps qu'on t'allume le micro. Voilà. On a un réalisateur qui est blonde aussi. Oui, c'est ça. Alors nous avons une question de Manon de Pau. Elle aimerait savoir si depuis qu'elle t'a vue en blonde, ta petite fille aimerait elle aussi se faire la même couleur. Bah, évidemment que je lui ai acheté une perruque blonde. Voilà. Donc elle voudrait sortir avec, elle est à l'école avec. Je lui ai dit que c'était pas possible, mais à la maison, elle elle se réveille, elle met la perruque et puis après, elle enlève juste avant de se coucher. D'ailleurs, ce n'est pas trahir un secret, mais on l'entend dans la chanson. Oui, Alizé. Ouais.
Alizée, elle est en blonde. C'est ça. Exactement. C'est ma fille. Merci, ma Julie. Merci en tout cas, Alizée, d'être passée nous voir. Ah bah de rien. Merci à vous. Voilà, et à partir pour votre de. Blondeur, pour notre blonde attitude. Merci pour ces perruques. Je pense que. Je sais pas pourquoi, on va les garder. On va les garder. Mmh. On va les garder jusqu'à ce que tu reviennes. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, jusqu'à ce que tu reviennes avec l'album. D'accord. Et on a hâte d'écouter le reste de l'album. Donc, merci beaucoup. Merci pour merci ton pour passage. Votre merci à toi d'être venue, Alizée. Merci beaucoup. À bientôt. Et on va passer à bonjour. Oh là là, j'ai voilà. Lisé, je l'ai mis. Ah, ça te va bien. Ça te va bien, mon Carl. Ah, mais oui, c'est ça. Fais attention à la mèche, on a plus d'habitude, nous autres. J'ai des cheveux. Moi aussi, j'ai des cheveux, je suis content. Ça peut viser. Ouais, ça vous va bien. Allez-y pour venir tous les matins. D'accord. On dirait les forbans. On dirait les forbans. Rien à voir. On dirait les forbans, les amis. Mais les forbans en blonde, alors. Ouais, c'est ça. Avec les cheveux longs. On va jouer la NRFM. Pourquoi elle rigole? On dirait les roubettes. On est bien. C'est tellement improbable cette scène de voir tout le monde avec une blondeur similaire mais à une coupe différente. Et ce petit carré plongeant te va tellement bien, Carl. Ce petit carré plongeant te va super bien. Bon, l'année RFM, les enfants, on est à la bourre. Ça lui fait un casque en cheveux, en fait. L'année RFM, c'est 1987. Je suis blonde. Et j'ai choisi le titre Englishman in New York. Qui chante? Phil Collins ou Sting? Vous nous appelez au 3916. Et qu'est-ce qu'on gagne ce matin, Carl? Magnifique cadeau. Vous partez à deux pour un séjour bien-être de 3 jours et 2 nuits à l'hôtel Mercure. Côté Ouest, 4 étoiles. C'est le top du top. Et ça se passe du côté des Sables d'Olonne avec Relais Thalasso. Voilà, c'est juste un bonheur. Merci, magnifique. Quand tu chantes en air sérieux avec ta perruque, c'est pas possible. Ciao, mon Carl. Bisous, à demain. Ciao. Daniel Balavoine, Daft Punk arrive. Il est 9h. On trouve les infos sur RFM.